Je vais déglinguer sa gueule. Oui, non, mais si on a dit que si ouais, bon, il est KO quand même. Il lui restait un point d'essence, donc il meurt quoi. En fait, il fallait juste que tu fasses deux dégâts. C'est pas de bol quand même. Hein. C'est quand même pas de bol. On est content de savoir ça. J'étais plutôt confiant, je me dis, ah putain, la Rune il lui met 11, ça va, c'est pas mal. Moi je mets 1. Ah bah là, c'est pas ma faute, hein. Je vais l'aider, ça fait de la merde. Non mais ça dépend des points de volonté pour se décaler, mais par contre pour taper des trucs, tu l'as pas. La sentinelle entre utiliser un point de volonté quand t'as un dé pour décaler et en utiliser quand t'en as 11, je me suis dit, les probabilités, en mais théorie. Du coup là ce qu'il faut faire c'est se redécaler puis revenir dans le monde réel. C'est sur 9 dés un seul succès, c'est et partir c'est loin, ouais. Voilà. Sur 11 dés un seul succès, c'est pas beau. Hein. C'est pas ouf. Bon bah on se redécale tous. Ouais. Les gens qui travaillent dans l'usine, ils trouvent pas ça bizarre qu'il y ait des danseurs de la spirale. En fait, les danseurs, je les vois pas. Les gens qui travaillent dans la mine sont sûrement des phoboris, donc des esclaves du verre. Ah. Et en fait, en effet, c'est une grosse base du verre qui a été attaquée. Enfin, voilà. Bon, du coup, on redécolle. On redécolle. C'est pas le bon terme. Non, c'est pas le bon terme. On décale. Et t'es seul dans les bois. Mais non, mais j'hésite. Mais non, mais on arrive. Je suis loin. Attendez, vous allez faire des vos jets pour vous décaler, on va voir si ça va arriver. Je suis loin. Échec critique. Tu peux faire un dernier point pour ramener tous les hôtels du jeu. Je suis pas sûr. Mon dernier point de volonté, je vais servir. En parlant de volonté, une petite question, parce que j'ai regardé comment gagner de la volonté. Quand une histoire se termine, est-ce que l'histoire avec justement les fantômes loups, c'était pas une histoire qui se termine? Non, mais par contre, je pense que le Théurge aurait pu regagner la volonté parce qu'il a déjà fait le Théurge qui est d'apprendre des rites et faire ce genre de choses. Quoi. Sauf que je suis déjà fou. Que le cairn des Wendigos. Donc, on décale. C'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est je suis l'âme de la meute. Je suis censé vous remonter le moral quand ça va mal et... Ah voilà, c'est le moment où on remonte le moral. Après la bataille. On va faire le cri de la reddition et puis... Le cri de la reddition, il n'est pas dans ma liste celui-là. Le cairn Wendigo est loin ou pas? Oui, il y a 2-3 jours de marche. Ah! Ah! Attends. Non. Denis Brodien n'est pas dans le Gaou. Tu me dis, je. Ah! Alors, qu'est-ce que tu fais, Iris? Parce que tu vois, il y a des spots de lumière qui sont allumés, genre. Un peu à hauteur. Oh putain, en what? Sur l'usine, quoi. Il fait jour. Vous n'avez pas dit qu'on attaquait du coup. Vous avez dit que vous êtes scène de nuit. C'est un peu mieux de nuit. Furtivement, okay. Moi j'étais bloqué sur le jeu. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe furtivement. J'ai entendu les rires, je me dis ça peut être sympa, ils ont l'air de bien se marrer. Moi je me casse. J'ai l'air joué. Va voir Bill peut-être, retourne chez Bill. Hein. Ouais. C'est le plus proche, c'est l'abri le plus proche. Mais attends, Manu, toi tu t'es. En fait, t'as dit, moi j'attends que ma meute, elle est. Normalement, elle sert à Paris, elle apparaît à côté de toi. Bon. C'est vrai, techniquement. Quand tu poignes, tu fais quoi? Tu repasses? Oui, parce que ça sert à rien de rester là. Vas-y. Donc. J'ai pas fait ton jet. Hein. Tac. Pour l'instant, je suis Vous avez tous acheté le don pour. Aller dans mon bras. Ouais, facilement, je pense. Je pense que c'est un bon achat de meute. Un bon investissement. C'est bon. Ouais, 5 minutes. Je vais arriver, tranquille, j'ai fait. Tu sens, ouais, tu fais ça vibre un peu, mais c'est un peu lourd, quoi. Les autres, vous faites quoi? Tous les trois? Est-ce que vous vous déplacez au niveau de Courtepointe et vous décalez ou vous vous décalez mal sur place? Parce que si vous décalez sur place, vous serez complètement... On est dans l'usine si on décale sur place? Non, vous êtes au périphérie de l'église. Au pied de l'enceinte. Ouais, au pied, ouais. C'est pas moi, très bien non plus. Ouais, moi pareil. Ouais, on y va. Okay. On décale. Allez-y, faites vos jets de décalage. Petit point de... c'est pas le moment de foirer. Petit point de volonté. Ouais, non, allez, t'en as deux. Tu vas faire un. De toute façon, ah oui, si tu dépenses ça. Tu vas voir la gueule, s'il te plaît. 3, 4... Et 5. Et bah voilà, instantanément. Double zéro et je dépense de la volonté, je suis vraiment une merde. Allez, bah. 4 succès. 4. 4 avec ma volonté. Non, 5 avec ma volonté. Ah le mec. Ça va être fou, hein. Là, t'as 3. J'ai annoncé que je l'enlevais. Et 4. Et 4 points, on repasse tous instantanément. Sauf. Mais le temps qu'ils reviennent, c'est bon quoi. En gros, vous arrivez au même moment. Et là, on arrive. Je vous regarde, je vous ouvre la voix. Ce qui s'est passé, voilà. Il y a eu des cris super bizarres. Oh, on les a entendus aussi. Et puis là, au fait, les entendants, il y a déconné. Ouais, on a peut-être déconné. Ça a percé le. Ouais.
Ça a passé oui, le moment. Ouais, d'accord. Discrétion. La spirale noire est à notre trousse. Ouais, on s'est jamais battu contre des loups-garous. En fait, vous avez entendu parler de la spirale noire. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, parlez pas de ce même temps. Vous savez qu'il y a des loups-garous corrompus par le verre. Et c'est sûrement ce qui a hurlé parce que c'était un hurlement de loup. Mais bizarre. Mais horrible, quoi. Okay. Je vois, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut de base, c'est celui d'un loup-garou qui s'est passé. Il faut qu'on ait trouvé de l'aide, il nous faut l'aide de l'appui des Wendigo. Interpéré par une sentinelle. D'accord, mais vous... ouais, juste en rentrant repéré. Comme ça bah, on a tenté de se battre, ça a mal tourné. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Disons qu'ils étaient. Il y a énormément de. J'ai bien envie de dire que c'est ma faute, mais j'influe pas les héros. Ils ont attaqué un qui les a repérés. Sauf qu'il a. Quand j'ai mis toute la bonne volonté. Ils se sont mis à rigoler. C'est pas une bonne nouvelle. Il faut courir chez les Wendigo, on a besoin d'aide. Pour se faire tuer aussi. Je pense qu'il m'apporte une mort rapide. Est-ce qu'on essaie de faire en sorte de courir pour que les gars de la spirale noire soient à une distance égale pendant quelques centaines de. On peut peut-être les attirer dans un traquenard. Voilà, genre on les attire jusqu'au Wendigo quoi. Ou alors on les attend, on essaie de les défoncer. On les attend, on essaie de les prendre un par un. On s'est jamais battu contre des loups-garous. On les amène chez les Wendigo, ouais. Mais est-ce qu'ils nous poursuivent? Est-ce qu'ils sont juste en protection ou est-ce qu'ils nous poursuivent? Les Wendigo, c'est 2-3 jours de marche, on avait dit. Ça. Oui, ça ne peut pas contre eux. Ouais, mais si on court. Il y en a combien? Il y avait combien de rires à peu près? On sait pas. Non, c'était genre plusieurs cris. Quoi. Ah. Ouais, bon. Non, si on a un, ça peut être gérable. Si on a 12, ça commence à être beaucoup. Alors là, je trouve direct la solution, on va chez Wendigo. Ah, mais il y a 3 jours de marche. C'est pas grave. Non, on est en lupus. En lupus, on est bon. On va se faire attaquer pendant la nuit. Et chez Bill, on a combien de temps là? Une journée. Comment on va d'abord chez Bill? On va peut-être faire le checkpoint chez Bill. Ouais. Checkpoint chez Bill. Totalement. On va se mettre en route. Bill, contre une meute de spirale. On va pas faire tuer notre seul PNJ pote quand même. Non, mais il va nous aider. On va foutre la main chez lui. C'est quand même pas. C'est un ours. On pourra nous aider, mais. Bah, ça dépend si c'est une meute de 5 membres de la spirale noire contre un ours garou. Ouais, ou et 5. Mais lui, c'est un guérisseur, il peut peut-être nous heal derrière quand nous on se bat. Ça dépend, vous connaissez pas le rang des mecs de la spirale noire. Ouais, bah, on est en 3, tu vois. Allez. Oh merde. Bon, on se pose avant, vous attaquez une météore avec un esprit démoniaque à l'intérieur. Bon, mes frères, Lupus, Bill. Ouais, on se met en route. Ouais, on court. Allez, on court. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Mais on va où? Okay. On est des pleutres. Chez lui, okay. Vous courez chez le checkpoint, ouais. C'est un peu entre les deux. J'essaie d'effacer les traces. Hein. On n'a pas le temps. Du coup, vous avez... On peut employer des pistes. Non, je vous le dis, ça sert à rien de courir, sinon. Non, mais on peut pas employer des techniques pour brouiller les pistes, genre passer par un cours d'eau. Tu sais que tu cours moins vite en omisé. Séparer les. Ça va dire la survie. On est chez Bill, je m'attends ça. Ah, bah attends, on n'est pas encore chez Bill. Pardon. Dès que ça fait, plus survie pour essayer de faire moins de traces possible. Et si quelqu'un fait un échec critique, ça veut dire que ça vous laisse des traces. Merde. Let's go. De toute façon, ça a été plus survie. Ouais. En lupus. Ouais, en lupus. Je trouve toujours une vidéo. Ouais, mais Krios, ça laisse. Et pas là. Alors, pas plus. Combien tu disais? 17. 3 succès. Parfait. 17. 1, 2, 3, 2. 10 dés. Je vais faire un succès, je pense. 2, ça sonne. 2, je peux. 2. Merci. 6. Allez. T'as refusé ça là? Non, je n'en ai plus. 6, hein. 2, 3, 4. 5, 6, 1, parfait, ça va, c'est beau. 3, 5, 2, parfait. Non, 6, pardon. 6. Moins 1, ah non, c'est un 7. Ah, cool, 3. Ah, bah voilà, donc personne ne l'a raté. Non, 7. Si vous arrivez à camoufler vos traces, ça réussit. Et vous dirigez vers la maison de Bill. Il faut pas. Bah, si, c'est bien. C'est toujours bon. Vous voyez la maison, mais elle n'est pas éclairée. C'est absenté. Voilà. Est-ce qu'on s'y réfugie malgré tout? Pour faudrait voir aux alentours. Mais, ouais, après, il y a des traces, oui, parce que ça fait plusieurs jours que vous vous baladez. Vous-même, vous faites des traces. Récentes de Bill, quoi. Parce qu'il y a eu, il s'est arrêté qu'aujourd'hui, le bizarre, du coup, ça dure couvrir quand même. Perception plus survie. Deep fuite. Est-ce qu'on sait qu'ils sont moins lourds d'un champ de plus? C'est moins deep 6. Ça récame toujours derrière? Il y a eu un seul ricanement après. Un seul cri particulier. Bah, je voyais en train de me faire poursuivre en fait. Okay. Une sorte de hurlement, mais.
D'ailleurs, tu n'oublies pas de regarder tes relevés. Il y a des choses qui peuvent être. Ah non, t'as des chiffres. Non, il y a un truc pas. Ah oui, d'accord. Pardon, un seul. Alors, t'es barbe ou t'es pas barbe? Tu nous buffes ou pas? Un seul? Ouais, pas énorme. Mais... Ouais, tu vois qu'il y a des. Oui, il y a des. Il s'est absenté parce qu'il y a des grosses passes de. Ah oui, de... Passes... Ça ah, traces d'ours qui s'éloignent. D'accord. Ça va pas. Ça va vers le nain? Ouais. Oh merde. S'il a entendu les cris. Moi je peux faire un cri avertissement à l'approche du verre. C'est ça le. Oui, ça existe. Ouais. C'est quand le mâle approche. Bah sinon suit les traces. C'est-à-dire bah là je signale que dans le coin il y a peut-être. Tu en sais page 50 ça page 50, ouais. Non, 60, pardon. 60 Ça avertit les créatures de Gaïa qu'il y a des méchants. Il y a le mal. C'est quoi, c'est le. D'accord. C'est le dernier, c'est. Normalement, aiguë, suivi de quelques aboiements saccadés, annonce la proximité des serviteurs du verre. Si un éclaireur parvient à discerner la nature réelle de ces créatures, il pourra être en mesure de la décrire. Quiconque prend le temps sur hurlement prend conscience du mal qui approche. Bah, je décris qu'il y a de la spirale noire dans le coin, quoi, dans le hurlement. Ok, tu fais ça au niveau de Chabil? Ouais, c'est le seul checkpoint safe. Puis s'il est pas trop loin, peut-être qu'il l'entendra. Avec... Sinon, on lui laisse une note dans sa maison. Attention, il y a des trucs de spirale noire. Dans le coin. Non, mais de toute façon, on va. Comment ça marche? On bouge là ou moins, moins épique. Du coup, les gens de la spirale noire, enfin, les gars de la spirale noire, ils vont comprendre ce que c'est. De le rejoindre quand même. Après, alors, là, vous êtes en mode pessimiste, genre. Ça se trouve, ils vont nous suivre. Pas du tout, ouais, c'est voilà, ça. C'est juste là, ils sont mis en mode défense active autour du site. Peut-être. Est-ce que je peux, dans ce lieu vraiment, faire comprendre qu'on va aussi au Carneau Amigo? Ah, tu veux faire un cri pour dire à quoi à... Que, qu'il y a des esprits du verre qui... et des danseurs de la spirale. Et qu'on fait route vers le Carne pour chercher de l'aide, quoi. C'est ça le plan, hein, on est d'accord? Mmh. Ouais, mais en fait, ça, c'est tout le monde aux alentours qui va entendre ça. D'accord, c'est pas un message uniquement pour Bill, quoi. C'est pas un service, quoi. Moi, je suis plutôt d'avis de suivre les traces pour voir. Dans et Bill, ouais. Bah ouais. Parce que si, imaginez qu'il a entendu les cris et qu'il est venu en se disant je vais les aider, il va se retrouver seul. Et ça, c'est pas cool. Ça part vers le nord, donc de ce que j'ai pu voir. Il faudrait le pister, quoi. Il nous a aidés, on lui doit bien ça, non? Ouais. Ça m'a retrouvé, ouais. Puis les Wendigo, honnêtement, je vous le dis, on va se faire arracher. Il faut qu'on ait le temps de leur expliquer la situation. Oui, et s'ils nous laissent pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ils nous laisseront le temps. Ils nous laisseront le temps, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Enfin, On est désolé. On a eu des problèmes. Et dans son aspirant, c'est pas nous, c'est le fer. Allez, désolé. S'il vous plaît, écoutez-nous. Ne nous tue pas. Et là, de loin, t'as un machin qui lance ses griffes d'argent. De loin, c'est pas. Ah. 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 Tu vois des tons d'arbre, tu sais qu'ils nous tombent à côté. Oh les cons! Ils ont la même technique que nous! Putain, notre arme martiale s'est développée vachement vite! Et le lanceur de trompe. Et là, t'entends! Alors, vous croyez que les femmes ne savent pas construire une cabane? Ah! Allez, bon, on retrouve les mêmes de l'an 2000! Et on y va, quoi, on se frite, putain. J'en ai marre de faire les pucelles là. Let's go, il nous faut de la glande pour hop, on y va, hein. Zou, voilà. Ouais, mais on va. La zou, j'ai pas des mains là. Je commence à fatiguer, je piste les traces de Bill et on retourne vers le nord. Si on croise, tant mieux, si on croise pas, tant pis, on pète la gueule à ce qui passe sur notre chemin. Ok, perception plus survie. 18. Tous ou plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes nombreux, si vous faites un échec, c'est mort. 5. S'il y en a un qui fait un échec, c'est le faire. L'échec, 8. Et 1. Et 2. Moins 1. Et 1. Et 2. Et 3. Et vous avez bien fait de jouer le dé, j'ai envie de dire. Oui, c'est le jour et la nuit, quoi. J'ai fait ça, moi, aujourd'hui. J'ai pisté bien. J'ai pisté Bill. Pisté Bill en dos. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Je vais bien pisté Bill. C'est Bill Stamper. Ah, si c'est le sien, c'est-à-dire que c'est mon côté ours. C'est mon côté bourrin. Ok. Allez. Ok. On va aider Bill. On y va. C'est qui la ville Vous voyez qu'en fait, il commence à faire. Les traces forment une sorte de rond autour de son refuge. Comme s'il patrouillait pour. Il fait son jogging. Soit trouver quelque chose, n'importe.
Et au final, au bord d'un chemin, en fait, même limite, vous retournez sur vos pas tellement vous, vous tournez, et vous tombez sur Bill, qui est proche donc, de son refuge, qui fait J'ai entendu le cri, je vous cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, on rentre. Des danseurs de l'aspirine. On a voulu. Chercher hop. Et dans l'Umbra, on s'est fait surprendre par. Par un fouet. Qui a eu le temps d'émaner une espèce de matière noire et qui a prévenu. D'accord. Les danseurs. Ok. C'est bien ça. Vous. C'est ça. Ok. Y a Bill qui est là qui fait. Ah mince, mais. Mais c'est grave, ça veut dire qu'ils savent que. Peut-être que s'ils vous ont pisté, ils savent où est-ce que je suis. On a bien veillé à effacer nos pas. Oui, ça, on a fait des bons jets pour brouiller les pistes, c'est vrai. Enfin, je dis c'est pas qu'on a fait des bons jets. On a fait des bons jets, on a fait le minimum pour brouiller les pistes. Le maximum, pardon. Le minimum, c'est pas ouf. Ok. Il vous invite à rentrer chez lui. Et est-ce que vous avez des alliés, Bill? Des personnes qui pourraient nous aider pour défaire le verre de cette usine? Les plus proches seraient les Wendigo, mais ils sont têtus. Il faudrait les convaincre du danger qu'il y a dans la montagne. Est-ce que ça se fait? Ils ne nous écoutent pas. Un tribut, un cadeau, je sais pas. Quelque chose qui se fait. On y va, on teste, on voit. C'est tellement pas la certitude. Non, mais eux, ça leur paraît très complètement incongru de nous revoir alors qu'on sait qu'ils nous ont menacés directement. C'est un cadeau pour vous dire. C'est peut-être l'heure du danger, c'est un peu bizarre. On peut leur rendre. Si vous avez une preuve, peut-être que les. Mais oui, voilà, sur le nord sont là. Mais on n'a rien. On se base sur. Si on leur dit, on les a entendus, ça va pas. Il faut qu'on en bute un pour leur ramener. Allez, on va dans l'usine, on en bute un, on le ramène. Avec une tête de. Le plan de l'extrême. Si Bill les a entendus. Il n'y en a pas un qui nous a reçu, en vrai, sacrifier la meute pour montrer qu'il y a une preuve que les spirales. Enfin, les meutes de la spirale noire sont là, et genre, c'est sacrifié pour qu'il y en ait un seul qui revient avec genre un totem ou je sais pas quoi d'elle. Et aller voir la Wendigo, c'est extrêmement honorifique. C'est vraiment, c'est genre une preuve d'honneur absolue. Avec qui se sacrifie? Non, c'est tout le monde sacrifie. Il y en a qu'un seul qui survit. Oui, c'est ça, qui se sacrifie et qui survit. Moi j'ai une vraie question. Est-ce que. J'ai une vraie question. Est-ce que le croc que j'ai récupéré du Flyel, ça peut pas être une preuve? C'est genre. C'était un Flyel mineur, c'était pas. Mineur. Majeur. Ne baisse pas ce que j'ai fait. Le mec baisse pas. Le mec me rabaisse. C'est quand même un serpent géant. Squelette. C'est vrai que s'il a des crocs de cette taille-là, c'est pas mineur, il avait pas de queue. Il réduit à chaque fois. Un beau croc, genre grand comme ça. Il était grand comment le serpent géant? Tout grand comme ça. Le pied avait sa dos. En vrai, quand il est sorti de l'Umbra, il avait un mot en train de se battre contre une dinguerie en train de faire. Ah, il l'a tué. Il passe l'anguille autour de son cou. Ah, il est en train de me tuer. Ah, oh, la meuse. Oh, c'est cool. Je crois que c'est pas la peine. Il prend un coup de poing à côté. Ah tiens, c'est ton dard. La meute de Casso. C'est Tobias divisé en loup-garou, quoi. Genre, il se coupe vite, il se met du soin comme ça. Ça génial. Il se coupe. Ah. Il doit faire. Ah. Il regarde. T'as dit. J'ai réussi. J'ai tué le Flyel géant. Je peux plus être un gars. Dommage que tu ne l'aies pas vu, mais bon, oh là là, il était énorme, au moins grand comme ça. Allez, on va chez le Wendigo, on va chercher de l'aide. Allez, vas-y. Non. Comme ça, on va se faire. Et est-ce qu'il y a un petit verre de plastique ou pas? Ok, donc, vous êtes dans l'abri de Bill, qui maintenant, la lueur un peu plus froide, le feu est léger. Et il regarde aux alentours, il regarde à la vitre, genre, il écarte légèrement les rideaux. Une petite dentelle, tu vois, un truc un peu kitsch, tu vois. Des canards, tu vois, genre, il regarde dans les ténèbres, il fait un peu les 100 pas, il fait. Vous dites donc que les danseurs de la spirale noire ont occupé l'usine. Oui. C'est bien plus grave que je ne le pensais. Ce ne sont pas de simples gardes, ce sont. Ce sont les pires engences de Gaïa. Du verre. Ces créatures-là sont les gars les plus corrompus. Ils sont extrêmement dangereux. Leur but serait donc vraiment de réveiller le démon. J'ai peur. J'ai peur et ça.
J'ai peur que ce qu'il y a dans la météorite est en fait un des doigts de la main. La main ? La main du verre. Qu'est-il ? Je ne peux pas parler de... Ça porterait malheur d'en parler ce soir. Ah, ok. Mais s'il y a, okay. autant, de, s'il y a autant de moyens qui sont déployés pour récupérer cet être, c'est qu'il se trame quelque chose d'extrêmement grave. Bien au-delà de mes capacités. On a un destin. Oui, on a un destin. Putain, c'est chaud. Mais il faut intervenir. Le Gaïa ou pas? Oui. La gloire. L'honneur. On est des guerriers de Gaïa ou pas? On est champions de Gaïa. Ouais, c'est les louveteaux qui l'ont dit. Oui, alors, c'est vrai que comme ça dans ma tête, ça serait cool, mais en fait, non. Non, c'est les louveteaux qui ont dit. Non, ouais. on reprend. Ouais. On avait un peu de... Ok, non, bah... C'est genre coup, le désespoir. Ouais. Est-ce qu'on y retourne maintenant et on attaque? Non, c'est pas ça. La... D-Roy. Clairement, est-ce qu'on y retourne, on va attaquer, bah... Il faut... On a besoin des Wendigo. Si on y va, c'est un sacrifice, quoi. Mais il leur faut juste une preuve, Wendigo. Ouais. Non, on n'a pas de preuve. On peut aller demander l'aide à Wendigo, mais s'ils veulent une preuve, comment est-ce qu'on peut leur prouver que la spirale noire est là? Putain, le mec il va dans toutes les tasses, quoi. Pardon. Non, je suis à fond dans le truc là, tous les râteliers, toutes les tasses. Prouver que la spirale est là, je sais pas, ramener un des membres ou capturer. Vous venez avec nous dans l'ombre, on est sûr, on va les capturer ça. Mais c'est vrai que là, comme ça. Attention entre le horaire que. Moi je sais pas ce que je prends. Donc. Eh ben moi je retourne à l'usine, capturé, mec. Il en faut juste un. Ouais, mais... Les minutes passent, hein, du coup, vous êtes en silence. On a peut-être juste besoin de décaler. Est-ce qu'on regarde encore autour, il y a personne qui... Bah, il y a Bill qui fait les 100 pas, qui regarde à la fenêtre, apparemment il voit rien. Il y a peut-être moyen... Est-ce que je peux essayer de sentir le verre, voir, parce que s'ils sont habités par le verre... Je peux faire un cri pour je veux sentir dans la direction, là on est parti. C'est vraiment large, quoi, c'est genre... Ouais. Tu peux, 19. J'ai pas un cri pour en provoquer un et l'appeler. Donc, bien fort. Là, t'as pas le shérif. Alors, réfléchis à ce que ça veut dire, ça. Oui, genre, non, mais c'est ça, mais... Pour en provoquer un seul, venir pour l'appeler, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Oui, ça m'étonnerait. Et ça veut dire que tout le monde l'entend aux alentours, ça veut dire... Ouais. Que du... Mais en fait, le cri, c'est pas vraiment pas un AMP, hein, c'est genre tout le monde l'entend aux alentours, quoi. On peut, comme je disais, décaler autour de la zone de Bill et peut-être qu'il y en a un. Parfait. Attends, t'en as un qui annule. T'as un décassé. Mais là, si tu nous fais un 9, c'est bon. Après, pourquoi un seul membre de une meute de spirale noire se baladerait plus du sol dans le bois? Tant pis. C'est pas parce qu'ils sont méchants, ils sont cons. Raté. Ok, mais tu es trop stressé, tu n'arrives pas à sentir le verre. Bon, on y retourne. Le feu commence légèrement à mourir et même Bill oublie de mettre une bûche dans le feu. Bah du coup, moi j'en mets une et ouais, tu j'arrive j'essaie de, j'arrive. Je ravive le feu, quoi. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que on espère qu'ils nous traquent, on fait le chemin qui arrive jusqu'au Wendigo en espérant qu'ils nous tombent dessus au long de la route pour les ramener, quoi? Tu peux pas demander au feu qu'il nous aide d'une manière ou d'une autre? On va pas cramer la forêt. J'ai pas dit qu'on allait cramer la forêt, parce que l'esprit du feu il peut pas te dire « Attendez, moi je peux vous donner un petit coup de pouce, je connais des esprits qui peuvent... » Ah bien sûr. C'est Tatalien. C'est ça, je peux le dire, parce que moi je suis quelqu'un fort comme un peu dans mon super noir. On peut peut-être se rapprocher de l'usine, et je pourrais essayer de communiquer avec un esprit de froid, enfin du froid, de la glace, ou n'importe quoi, et leur dire de... Je sais pas, de fondre carrément sur... Enfin, de fondre. De attaquer le bizarre. Exactement. Après, c'est peut-être les Wendigo qui, eux, ont initié ça, peut-être qu'ils pourraient le faire. On va le lancer sur l'usine. C'est la même chose. Bah, du coup, pour les Wendigo... En fait, toi, tu pourrais essayer avec un danger, c'est possible. Non, mais de toute façon, écoutez, en tant que philodoxe, je vous dis qu'il faut absolument aller voir les Wendigo. Ça sert à rien de se lancer. De toute façon, on ne pourra pas en avoir un sans toucher les autres. Je pense vraiment pas qu'on puisse faire quoi que ce soit maintenant seul. On a besoin des Wendigo. Ils nous écouteront quoi qu'il se passe. Tant pis. On fera tout ce qu'il faut et si on doit mourir, on mourra en leur ayant annoncé au moins la vérité. Ok, mais alors si on y va, vous me laissez parler. Parce que... Pourquoi? Je vois pas pourquoi, mais si tu veux. Parce qu'il y a plein de points en... Ah oui, parce que c'est un ragabage. C'est vrai, non, c'est juste que. Qui peut parlementer.
T'as pas des... Vous avez vu comment ça s'est passé avec Bill? Oui. On ne suit pas compagnie Bill grâce à lui, grâce à elle. Ouais, ok. Bah écoutez, on retourne. Allez, Kuzo, mais on fonce sur ça, quoi. Ils sont en train de discuter, donc on va voir les loups. Et là, d'un coup, Bill fait... Ils sont là. Ok. Bah bon, bah voilà. Ça règle le problème. Ça règle le problème, effectivement. Ouh. Oh, Je les gars, pétez-les. Les Bill, genre Bill se lève d'un coup, genre. Et il se dirige vers la porte. Je suis... Je passe devant, moi. Moi, je passe en crise, ça, je crois. Ok. Ensemble, dès que je passe le pas de la porte, il y a une transition. Genre, Ok. Donc, quand vous sortez dans la clairière, donc de la maison, vous observez qu'il y a une douzaine d'hommes armés. Ah! Qui vous entourent. Et ils sont en tenue, ils ont des... Bah, j'ai une illustration. Ah oui. Ils sont en d'accord, en cas, avec des c'est les sentinelles de Metal Gear Solid. Et les fusils d'assaut. D'accord. Ils ont l'air d'être préparés. Et vous voyez qu'ils sont... Comment dire, ils ont quelque chose d'étrange en eux. C'est des Fomori. Fomori, ce sont des esprits du verre qui s'incarnent dans des êtres humains et qui les possèdent. Bill, ça sort vers la... Enfin, ouvre la porte et commence à sortir. Qu'est-ce que vous faites? Et là, moi, je sors. Voilà. Moi, je sors et je me transforme en Kenos en passant la porte. Bah, ok. Voilà. Et je les suis. Ok. Tout le monde sort. Pareil, je sors en Kenos, en mode vénère. Oui, tous en Kenos. Parce que là, ça fait de la rage. Là. Et du coup, voyant les armes à feu, je balance un oreiller. Alors, tu me dis ce que c'est le système. Alors, l'enfant pour toucher, alors système. Le garou crée un ancien mot de pouvoir et de grâce, puis dépense un point de gnose. Le joueur fait un jet de volonté dont la difficulté est égale à la plus haute volonté parmi les individus armés qui l'entendent. Pour chaque réussite, toutes les armes manufacturées cessent de fonctionner pendant un tour. Ceci inclut les armes à feu, arbalète et lance-flammes, ainsi que les couteaux et épées qui refusent de trancher. Les armes naturelles comme les griffes et les objets naturels transformés en armes, cailloux, branches mortes tombées naturellement, ne sont pas affectés. Et là, en l'occurrence, c'est pour les pour armes. Les M16, ouais. Donc du coup, en gros, je dépense un point de gnose, et je fais un jet de volonté dont la difficulté est égale à la plus haute volonté parmi les individus en face de moi. Ok. C'est badass, pendant un tour, j'aurais pas utilisé à ce moment-là, mais voilà. Pour les exploser. C'est ça. Après, on jette dessus et on les éclate. On peut toujours refaire un des esprits. Mais est-ce qu'on se jette dessus dans l'ombra pour le coup? On va tuer les esprits et pas les humains. Je sais pas, je suis un peu fort. C'est interdit de manger de la charmée. Sauf qu'il a bu. Tu vas pas manger un truc corrompu aussi, peut-être. En plus, je suis un peu Vendigo. Et alors, l'esprit cannibale. Du coup, ça va être IF6. IF6? Ouais. Le chef. Si vous le répétez pas, je le répète pas. Ouais, mais non, c'est les litanies là. Ouais, faut que tu rates. Pas déconner. Contre un mal à métis, monsieur. Faut que je rate. Oh, faut pas que tu rates. Ah, faut pas que je rate. C'est pas hyper sympa, alors, mais c'est pas du coup. Oh, ok. C'est un jet de difficulté par rapport ça à ça. Ça serait bien. Non, mais les litanies, quoi. Qu'est-ce que tu dis? C'est marqué quoi? Du coup, fait un jet de volonté. Mais du coup, ça correspond à quoi? Volonté table de base. De base? Ouais, c'est 4. Du coup, c'est 4. Et difficulté 6. Difficulté 6. Waouh. Autant tu nous as fait un carré de 9 tout à l'heure, autant là, brelant de 1. GG. Sur 4D, c'est pas de chat. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur la première séquence? Attends, non, machine baby. Je prends le croc que m'a fait Iris, je me l'enfonce moi-même dans la gorge. On termine. Non, on peut avoir les dérouges. Il y a donc... Bill s'avance devant le groupe. Il y a Haru qui murmure quelque chose, mais qui est désemparé. C'est la première fois qu'il utilise ce don d'ailleurs, en plus, c'est la première fois. Hein. Ouais. Bah ouais. Et peut-être que ta langue a fourché dans le stress de la bataille. En tous les cas, les hommes vous mettent en joue. Et retire sa capuche. Papa. Vous regardez, vous voyez. Il est peut-être le tribo sur le crâne.
Non, il est pâle, blanc. Et quand il vous parle, il a des crocs. Il vous fait. Genre, limite, il fait. Votre magie ne sert à rien ici. Vous êtes cerné. Rendez-vous. Et nous serons dociles. Si c'est des vampires, ils aiment pas le feu, non? C'est ça? Ça peut pas tous vampires, mais. Lui, en tout cas, oui. Donc, tu peux faire foutre le feu à son baraque. Oui, c'est exactement ce qui va se passer. Bah, go. Est-ce qu'on fait un jet d'initiative? Ah, mais on est sûr, c'est des vampires donc? Bah, lui, oui, il a des crocs. Ouais, mais ça. Est-ce que ça peut pas être une forme de loup-garou? Non, peut-être. Peut-être, on sait pas. Tu sais, un truc. Pas forcément un vampire. Pas comme ça, je crois, loup-garou. Et Bill. Bill vous fait. Faut que je me batte. Bill vous fait. Je peux les retenir. Allez chercher les Wendigo. Ah non, mais on va pas sacrifier Bill. Ah non, on sacrifie pas Bill. Non, mais on peut l'aider. On peut. Bah, on fait une action 12, et puis on court. Hein? Ils sont 12, c'est ça? Environ, ouais. Enfin, ceux qui restent visibles sont 12. Enfin, ceux qui sont visibles sont 12. Moi, je peux pas, toi, cas, sans j'y vais. Il a mis une vie dramatique. Oh putain, ça va finir en sacrifice de la mort, c'est horrible. J'y vais. Je me jette dans la mer. Je fous le feu au vampire. L'honneur d'abord, on peut pas laisser Bill mourir. C'est que là, il nous a porté secours, on va pas le laisser se sacrifier alors qu'il nous connaît à peine. Et on a une meute et il est hors de question qu'on en laisse un derrière. Ah ouais, donc. Tu peux courir très vite, toi, non? Tout le monde peut courir très vite. Oh là, tu vois, mais non, mais je veux mourir. Bah, je me dis, c'est pas Tu me demandes de partir là. Bah, moi je pense, sérieusement, vu ce qui se passe, j'essaie juste de foutre le chaos et puis. La prochaine séance de loup-garou, je vais tous des vampires et. Et ils jouent à loup-garou. La traque commence. Pour qui? Bonsoir. On va se battre. Hein. Je crois que c'est. Ah bah là, de toute façon. Juste, vous êtes tous en créneau, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Du coup, genre, vous. En fait, vous. Vous communiquez avec, genre, sur des grognements et genre, on y va pas, on peut pas laisser. Et Bill est là, genre. Il commence à genre. À s'ensoirmer. Ouais, il commence légèrement à grossir, tu genre. Et il passe en forme Krynos. Moi ça me. Il est gigantesque quoi, il fait genre un bon 3 mètres, genre. Donc on est 6 contre 12. Sachant qu'on en chacun 3. Ouais. Sachant qu'on en vaut plus que 3 chacun, je pense. Ouais, mais ils ont des 1. Oui, mais on régène des dégâts létaux chaque tour. Ah oui. Et du coup. Non. Ah, moi j'avais découvert les balles en argent. J'ai envie de découvrir. Ah, c'est mon ballon d'argent, c'est la merde. Ah, c'est quoi ce rictus? Ah! Merde. Ah putain. Mais oui, il faut en avoir conscience. Il faut dépenser de la volonté pour. Allez, c'est quoi? C'est un point de rage pour avoir deux actions dans le tour? Un truc qui se réclasse quand même, ce serait quand même d'initier un champ de la guerre. Ah oui, carrément. C'est parti. Je suis en Krynos et. Les bras en arrière, les épaules. Et je hurle à plein poumon un petit appel aux armes. Okay. Hymne de la guerre. Ah, et donc, raconte-nous ce que tu dis, quoi. Enfin, genre ce que tu fais, ou. Tu classes, quoi. J'en appelle Même si. Chip à mal à tous les champions de Gaïac. Enfin, aux champions de Gaïac qui est en nous. Ouais. C'est maintenant, on laisse pas Bill se sacrifier. Alors, on leur met sur la gueule. Ancêtres, sortez de mémoire et regardez ce qu'on vient de faire. Ouais, parce c'est ça. Oh, c'est beau. Ça sera honoré. Oh, oui, ça, ouais. C'est beau, c'est ça, ouais. Regardez-nous mourir. On n'est pas tout seul. Regardez-nous mourir ce soir. Oula, non, je peux pas mourir. À la guerre, quoi. Mmh. Bah, là, guerre, la mort, ça va être. Regardez-nous tout donner. On va tout donner. Vous savez que la meute, sûrement, ne sera pas. Peut-être pas complète. C'est quand c'est pas de regret, quoi. Allez, ouais. Action. Ouais. Et là, le mec a pas compris. Ouais. Pour Cécile. Mobilisation. Bill, Cécile, ça rime. Coïncidence. Je sais pas. Sûrement. Une même famille. Il s'appelle Bill Arbor. C'est un peu notre intrigue, tout le monde. Ouais. Un peu trop, que je fous le feu un moment, un peu trop, ça va commencer à se voir. Bon. Vous faites un test d'initiative. Dextérité plus astuce, c'est ça? Ouais. Un des 10 plus dextérité plus astuce. Donc 3 plus champ Krynos. Je vais un groupe, enfin je vais faire une initiative pour le groupe de. 11. 15. Attendez. Alors, 15, c'est. J'ai fait 14. 10. You 14. Kilo, t'as fait 12.
Ah oui, c'est vrai, je suis en Kratos, pardon. Attends, du coup, alors je prends depuis. Il y a un 15, 15 en fait. J'ai un point de plus. Il y a deux 15. Il y a eu quoi? Il y a un 14? Ouais. Il y a eu quoi l'autre? Il y a un 15. Donc, ouais, c'est bon. Rémi? Attends, oui. Dexter Cursus. Donc 7 plus 2 en Dexter. Enfant Krinos. Oui, oui. Je, c'est que j'avais compté le, voilà, le truc, ça. C'est juste moi, pour avoir la suite. C'est plus 2 plus 3. Donc 7 plus 2 plus 3, donc ça fait 12. 12, ok, et toi, ça fait 11. On n'est pas dégueu. Ah non, 15, 14. Alors, attends, moi, c'est 15 aussi. On va jouer. Ah ouais, non, là, on les bute. Astuce. Mais pute, on peut en faucher 2 en même temps. 6. 5. 11. 11. Et je peux avoir le coup. Oui, bien sûr. Ah, je l'ai touché, non. Il est maudit, il est maudit. Va te laver les mains. Je jette avec cette main. Voilà. Ok, et Bill, attends, Bill, il va faire combien? Bill, il fait 25. Vas-y, Bill. Ah, Bill, Bill. Ouais, tout ça. C'est 11, ils ont fait comme ça. C'est quoi? C'est Dexadé plus Astus? Ouais. Plus, ouais. Il a plus 1 des 10. Il fait 10 plus 7, il a fait 17. 17. Oh là, c'est lui qui commence le carnage. On est pas un peu hypé, là? Là, va falloir que tu mettes une musique de ouf. Là. Ah, j'avais pas vu ça. Dis du tout. L'extermination de masse. Oh, j'avais pas vu, Bill. Ah, Bill. Ah ouais, Bill, il est coquin. Paye de Bill. Bill, il est coquin. Ah ouais, donc Bill, ah ouais, Bill, en fait, Bill, il a dit, allez-y, parce qu'en fait, allez-y, je vais me la faire. Ok, d'accord. Il aurait pu, quoi. En fait, Bill, le coquet. Bill, donc c'est le premier. Bill, donc il est en forme Garou. Enfin, Krenos, quoi. Et il fait... d'un coup, en fait, il met sa main en l'air. Il y a il y a un éclat de lumière, il y a un corps qui apparaît dans sa patte, et pff, il souffle. Ah, genre, un corps et d'un coup, il y a des ours qui apparaissent fantomatiques. Oh merde. Ah, ah, oh, en mode Diablo. Oh, ok. Ah, et il fait genre la grosse corne de brume bien sale. Et c'est des ours mais genre avec des haches dans leurs mains. Ah vache, on a le gros derrière comme ça, en crinos, prêt à se battre. Est-ce que je me fous que ça? On a tout donné, on a fait un discours et tout. Attendez, attends. Il a soufflé dans son toin-toin là. On va l'appeler grave toin-toin sur le souffle toin-toin. Le souffle toin-toin. Il a 50 tours spectro qui sont avec des haches. Il souffle dans son toit, toi. Ah non, c'est des garous, c'est pas des autres. Ah ouais, ça va alors. C'est des crinos. Il a un peu de c'est des crinos. Tu les vois dans des temps. Les panzer ours. Par contre, quand il fait ça, vous voyez que plus il souffle en fait. Non, et ça matérialise les guerriers. Le corps, il est magnifique, quoi. C'est le corps de Fenris lui-même. Donc c'est un artefact, quoi. Ah. Et vous voyez qu'il commence à s'écailler, et il se brise, et il commence à tomber en sang. Ah oui, donc c'est pas un petit cadeau qu'il nous fait, quoi. Ouais. Non, c'est genre la dernière utilisation de son corps, quoi. Ouais. On pouvait souffler une seule fois dans le corps, et il l'a fait maintenant. Oh la vache. Okay, bah, on va aller pour 12 vampires. Ouais. C'est le juge visible. Oui, c'est lui qui juge. C'est lui qui juge. S'il le juge bon, c'est qu'il a ça. Ok, ah oui, parce qu'il y en a qui sont peut-être de pile. Donc, du coup, tu vas gérer en système 150 garous. Non, moi, ce que j'aime, c'est la position. Voilà, c'était le tour de vue. Qu'est-ce que vous faites? Je m'assois, je regarde. Qui c'est à 15? Ben. Tous ceux qui ont 15, c'est deux. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous voyez ça, quoi. Et là, d'un coup, je pense qu'il y a un petit souris qui apparaît sur. Il y a un petit. Ça remet la motivation et là, on y va. Moi, je défonce. On peut en choper deux en même temps? Alors, bah, faut foncer sur eux déjà. Bah, ils sont à distance quand même. Bah, je vais foncer sur eux, on va faire discuter. Ton appel aux armes, ça entraîne quelque chose? Non, non, c'est purement RP, j'ai entendu un chant qui motive. Mais... Oh, c'est vrai que ça donnerait un petit bonus à un truc ou quoi, si c'était pas mal vu. Enfin, pas mal venu. Il y a des rythmes mineurs comme ça. Ouais, c'est, ouais c'est moi qui dois les faire. Ok, donc là tu fonces. Ok, bah tu cours quoi, genre tu fonces. Non, mais ils sont loin quand même, ils sont à l'oreille, je veux dire. Et si je craque un point de rage? Ok, mais c'est-à-dire que tu joueras après. Mais ouais, t'auras deux actions, ouais, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça, à la fin, ok. Et toi, pareil, du coup, je veux? J'ai pas de rage, moi, donc je vais foncer normalement. T'as plus de rage, quoi. Ok, 14. Putain, bah, ouais. C'est moi. Ouais. Ah, moi, je charge aussi. Tu charges aussi? Tu dépenses pas de rage? Non. Ok, 12. C'est moi. Okay. J'utilise
Je vais utiliser mon pouvoir et foutre le feu à ce petit vampire qui a enlevé sa cagoule. Ok. Parce que pauvre bougre. Je sais pas ce que c'est. Bonne mère. Enfin, il a des grandes dents. Je pense que la pop culture. Bon, ça c'est. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça c'est William qui sait qu'il a perdu le feu et que du coup il en joue, quoi. Non, mais les histoires de vampires, c'est un peu plus moyen. C'est parce que c'est quand même. C'est vrai que les histoires de vampires. Il a pas le feu dans la pop culture. Je m'appelle Nelly. Je suis un enfant, j'ai des gnomes, on dépense un point. Levez les mains, je suis pas là. Il a pas donné son nom. Non, pas sûr que. Bonjour. Bon, non. Je suis le matin, on est déjà Gabriel. Je l'ai fait avant. Est-ce que je peux avoir un peu de. Par contre, il me donne pas la difficulté. Un peu de sang, c'est carburant. Carburant de Gaïa, évidemment. C'est de la pleurante. Ouais. Il me donne pas la difficulté, par contre, c'est un. C'est un jet de gnose. Bah, vas-y. Et je dépense un point. C'est des dégâts que tu fais là ? 8 Ouais. Dans le 8 quoi ? Bah j'ai 8, enfin normalement. Ah, 8 moyenne. 8 quoi ? Le 12 ! Non mais la moyenne de difficulté normalement c'est 6. C'était 11. Ils disent quoi exactement ? Bah ils vous donnent pas de difficulté en fait. Yeah, vas-y. Le joueur fait un jet de gnose et en dépense 1 point. Chaque réussite permet au personnage de créer 30 décimètres carrés. Non, 30 décimètres cubes, pardon. De l'élément désiré jusqu'à un poids maximal de 45 kg. 45 kg de feu, ça doit être beaucoup. Non, okay, dans cette, en gros, ce que tu fais, genre, tu fais apparaître du feu vers dans la direction du vampire. Dans le vampire. Ouais. Ok, donc toi, tu fais genre. Ouais, et genre, il s'enflamme, quoi. C'est ça, et dans la direction générale du capitaine, vous entendez un cri, un hurlement, et ça commence à s'enflammer, et vous voyez une silhouette qui commence à se barrer. Ah oui, c'est bien un vampire déjà. Bah, au moins, on est okay. Malaise contre un vampire. Et du coup, ce nom inflige. Ah, inflige. Un point de dégâts par réussite jusqu'à un maximum de 3. Mais c'est difficile, ça fait combien ? Bah, s'il n'y a pas de difficulté en fait, c'est difficile. Moi, je dis que c'est difficile. Ok, bah, du coup, 1. Ok, bah, il s'est pris en plus un petit dégât aggravé dans la gueule, il est très content. Il va partir en frénésie dans les bois. Attends ! Imaginez, mettez-vous à sa place. Le pauvre. Le prince de la ville lui a dit : bon, mec. Ouais, tu vas être dirigé des sacs. Apparemment, il y a une mission. Il y a un vieux dans une maison. Le mec, il arrive, il fait bon, vous êtes cerné. Il y a un ours déjà. Un mec qui se transforme en ours héros qui sort un corps. Il fait oh là là, merde. Il y a un ours héros qui fait comme ça. Il y a des c'est une mission de FMA, tu sais. Il a rien fait. J'approuve. Le pauvre. Il se barre. Il fait non, mais moi, un jour, je serai Lodin. Le prince de Chicago. Et il s'en va. On est en 89. Franchement, balance-nous, c'est un petit perso. Balance-nous, c'est un petit perso concret. Oh là là. Balance-nous, c'est genre, je sais pas, c'est. Qui ça pourrait être. Bon, du coup, le pauvre, il est pas bien, quoi. C'est pas l'arbre qui est obèse. C'est pas l'arbre. J'ai pensé à ça, en fait. Je vais aller manger, du coup. Je vais aller manger. Qui est à 12 du coup ? Oui, c'était moi. 11. Moi. Moi je vais essayer d'aller au parieur et dépenser un point de rage pour jouer deux fois. Ok, parfait. Donc toi tu vas rejouer. Ok. Okay. Bon bah alors moi je vais tirer sur les gens qui font sur moi. Bien entendu. C'est pas compliqué. Ceux qui courent vers les soldats, les soldats ils vont vous tirer dessus violemment. Oui, bien sûr. Non, ils ont pas peur du feu ? C'est des vampires. Mais t'as visé une personne en fait. En fait ils sont en arc de cercle autour de vous. C'est pas tout. Oui, mais normalement quand il y a un vampire qui était à côté du feu, genre ils se sentaient pas. Ah oui, mais eux c'est pas des vampires. J'en ferais les vampires les autres, non. Je ferais beaucoup de vampires dans une petite ville comme ça. Je peux tanker les dégâts. Puis le truc qui est pas plus... En fait, entre le feu ou l'ours garou qui va pas dégager, je pense que le truc le plus fumant c'est l'ours garou qui fait dégager. Et pas le feu à côté et le... Plus les 30 ours garou avec bazooka... Essayez de faire ma feu, c'est 3 et 3, c'est parti. Bien sûr, je vous montre à chaque fois parce que je... Bien sûr, transparence totale, hein. C'est vrai. C'est pas comme si j'avais des maudits. Donc le premier, ça va être pour toi. Ouais, vas-y. Bring it. Donc 1, 2. Le mec, calme-toi. Donc ça touche. Ouais. Ça touche, tu vas voir. Donc c'est du fusil d'assaut, donc c'est du 7 dégâts. 1, 2, 3, 4. Faire un gros jet pour me protéger, ça va être énorme. C'est mon week-end, je vous l'ai dit. Hop, 1, 2, moins 1, 3, ah non, pas les dégâts. 4. Si, au final, on le fait depuis le début. Donc ça fait 3, ok, tu prends 3 d'aggravé. Je peux faire un... Non, parce que c'est de l'argent. Donc tu te prends des balles et ça, pff, ça commence à transpercer tes veines. Ah oui, et, c'est l'étoile. Ouais. 3. Donc là, ça veut dire que c'est 3 jours au minimum de repos. Ben là, je suis à blessure moyenne, j'ai moins 20 à tout le jour. Ah, moi, je chargeais pas, moi. Moi, je suis rentré à la maison. Ah putain, le mec. Tout le monde quitte. On devrait peut-être laisser faire Bill, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ouais, les mecs, ils font, ça.
Ok, 1, 2, 3, 4, 5, mais 4, mais sinon ça touche. Par contre, les, en fait, les dégâts des armes, je rajoute pas la force, quoi, ni autre chose. Quoi. C'est juste les dégâts des armes se fixent. Bah oui, c'est une arme de tir. Oui. Bah oui. C'est pas un arme. Ok, 1, 2, 3, moins 1, donc 2, 3. Donc tu prends 3 d'aggravé. Bonjour. Coucou. Et l'autre qui était là, vraiment, je pensais pas. C'est l'autre qui fonce, c'est toi c'est... Ah oui, moi je te reviens. Ouais, tu fonces. Il y en a deux qui tirent dessus là. Ouais. Oh 2, 3, 4, 5, d'aggravé dans la gueule. Oh la vache. Handicap. Non. Infirmité. Handicap. Là t'as pas fait les dégâts. Ah non, j'ai fait les dégâts, Merci mon pépère. À un moment, on va pas déconner. Merci. 5 aggravés dans la tronche. Et là tu vas t'en prendre 7 et puis là j'aurais peut-être plus. Non. 1, 2. Moins 1. Moins 1, donc 1. Tu prends 1 d'aggravé. Tu vois. Putain, t'as failli. Putain. C'est-à-dire quoi? En fait, oui, ils peuvent ouvrir une chose. Vachement fragile. Ok, donc vous prenez une bonne slide. T'as foncé toi? Hein? Ah, oh le petit bâtard, il dit rien! Le petit bâtard! Les potes ils prennent le tarif! C'est bon, ça touche! J'espère que tu vas prendre cher, connard! Alors, 1, 2, 2, tu prends 2. Non, ça va. Chacun a son dégât d'aggravé, c'est bien. Non, c'est pas juste une croix. Non, mais c'est tu fais une étoile complète. Moi, c'est un ça. Et étant donné qu'ils sont beaucoup plus nombreux, il y en a quand même pas mal qui vont toucher, qui vont essayer de taper Bill, ouais, bah ouais, Bill il va prendre cher par contre. Hein, parce que Bill, c'est un peu la cible principale. Non, mais il s'acharne sur les. C'est parce que les gros, c'est pas faire plus. Ouais, c'est bien. Bah ouais. Il a rien demandé, oui, il va prendre très cher. C'est pas du. C'est de l'oursophobie. Il a juste fait du toin-toin. C'est de l'oursophobie. Ah, mais l'autre, il Ah, c'est le casou dans le corps de Fenrir. Le casou. Ça touche beaucoup trop. Le casou de Fenrir. C'était un mec un peu rigolo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 4, ok, tu prends 4. 4 aggravés. Allez, allez. Ah, ouais, ça. Bill, on va quand même le perdre. Non, on va se battre pour le. Non, parce que Bill il s'arrête pas à 7, il a 14. Ouais. Ok, ah. Ceux qui ont dépensé de la rage pour attaquer, c'est maintenant. Ouais, bravo, faites-vous plaisir. J'ai droit à deux coups. Non, c'est un coup. J'avais pas deux actions avec le point. Bah, si, la première action c'était de courir. Ouais, la première action c'est courir. Après, la deuxième action c'est sur un garde, enfin un mec avec un fusil. C'est ça, ça va être. Vas-y. C'est quoi qui fait plus de dégâts? C'est les griffes, la morsure. Ça dépend de ta morsure, c'est plus facile, mais ça fait moins de dégâts. Et griffes, c'est plus difficile, mais ça fait plus de dégâts. Ouais, griffes, moi aussi. Dextérité plus bagarre. Ouais, ça. En créneau, c'est pas. Du coup, c'est. La difficulté, c'est quoi? 6. C'est diff 6. Mais on peut en faucher plusieurs. C'est une action multiple, ça. Ouais. Bagarre. Bah, autant dépenser des points de rage pour le moment. Diff 6. Allez, c'est là que je fais que 1 succès sur 100 dans les. Tu dépenses 3 points de rage. Ah, j'ai moins 1 parce que je suis handicapé. Mais j'ai qu'un point. Moi, j'ai qu'un. J'ai moins 1 dé parce que je suis handicapé. Vie positive, c'est pas de. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, relance. 6, 6 succès. Donc tu rajoutes, donc tu fais des dégâts. Ouais. Donc alors, j'ai fait 6 succès. T'as fait 6 succès, donc là donc c'est tu force. Tu rajoutes force plus 6. Plus 6. Ouais, plus 2. Alors, plus 2. De la griffure. Donc 7 plus 6, 13. Et 2, 15 dés. Parti. Ça peut être 2 dés encore. 4, 6, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est exactement la même chose. J'ai jamais lancé autant de dés de ma vie, je crois. Mais en fait, tu fais 7 réussites, tu me le butes en fait. Vas-y. Si t'en fais un peu moins, bah, tu les stropes. Défi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Mets-les de côté. Mets-les de côté, les propres. 3. S'il y a des pas propres. 4. 5. Diff combien ? 6, 7. Là, celui-là il compte, hein, c'est un 6. Ah, c'est un 6. Moins 2. 7 moins 2. 8 moins 2, donc 6. Il y a une relance. J'ai une relance. Et t'as une relance. Alors là, il est déjà un mal tu réussis cette relance, c'est gagné. Bon. Dommage. Il a plus 6 quand même. Oui, bon, bah, tu lui arraches un bras. Il doit pas être très bien. Je vais utiliser l'arme en plus. C'est genre. Ah là là, ouh. Il est pas prêt pour. J'aurais dû poser un jour de congé.
C'est ce que j'ai pas pris mes RPT plus tôt. Ils ont fait le voyage pour rien. Là, il fait oulala, le foyer à l'intérieur, il fait ouah, je vais me casser moi. Non, mais attends, par contre, on est où déjà? On est au Canada? Oui. Ah, tabarnak, me fait mal. Oh non, mon dieu, si. Ah, ok, là, on va avoir des commentaires négatifs. L'autre qui a fait le dégât, vas-y. Il a fait 5 pas touché. 6, donc vas-y, lance les. Il fait les dégâts, bah plus 6 du coup. 1, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 5 aussi. Moins 1. Ah non, ça, ah ça fait 5. 5, 5. Ok, donc tu transperces les côtes. Hein. Enfin bon, il reste plus que 2 points de vie, donc bon bah. Ils sont plus en train de se battre. Ah bah ils ont pas autant de moral que ça. Quoi. Ouais. Voilà, quand il y a une bête de 2 mètres de haut qui. Ça fait du bien de gagner un combat quand même. Bon, ouais. C'est contre un humain, mais. Attends. Ah bah, vous one-shotez des mecs là, ça change quand même un peu. Genre, c'est genre. Là, ça en fait déjà 3 de buts. Ok, il te reste 2, mais bon, ça fait un peu mal quoi. Ouais. Donc, prochain tour. On va faire un next turn quoi. Mm-hmm. Bah du coup la même enseigne. Là c'est les onces de Bill qui arrivent à jouer. Là c'est à Bill de jouer. Ah Bill, Bill il se met à 4 pattes et il fonce. Ah. Mais par contre les onces de Bill. Les onces de Bill foncent également. Parce que là ils vont quand même tous les buter d'un coup. Bah, il reste quand même un tour qui va être un peu violent pour tout le monde, surtout ouais. Si vous prenez des dégâts aggravés tous, et ça veut dire que ça va faire des dégâts qui peuvent être les taux. Et vous allez peut-être pouvoir mourir. J'ai peut-être mourir. 15 le premier. Oui. Ouais. Bah allez-y, faites-vous plaisir, hein, dégommez les gens. Là vous avez le droit d'attaquer. Si il y en a 12, il y en a 3 d'hors combat, on est d'accord. Et bien voilà. C'est parti, et on attaque. Ah, il en reste 10. 2 dextérité plus bagarre. C'est là, il y en a 2 qui ont été quittés, plus 3, le 3ème cramé par. Ah oui, il y en a qui a fui, pardon, excusez-moi. Ah oui, donc 3 d'hors combat. Ah, donc il en reste 9. 9, et ils font quoi les ombres là, les lanceurs d'aspirale. 6, si c'est comme tout à l'heure. 1, 2. C'est pas des lanceurs d'aspirale. Ils envoient les trous. 3. Donc c'est ta touche. C'est ouais. Bon. Donc tu lances tes liens. Force c'est beaucoup. Force c'est 8. 4, 6, 8. Plus là j'ai fait combien? 2, 3. En se faisant, toucher là en aggravé, on peut pas gagner des. Et oubliez pas les manus que vous avez si vous êtes, vous êtes touché. Hein. Ça va, je les ai pas touchés. Quand on se fait toucher. Comme et ça. Voilà ce que je te jette. Si carrément vous pouvez gagner un point de rage. Bah, toutes les personnes qui sont fait toucher vous gagnez un point de rage. Ça passe. Bah, je le recraque. Attends, putain, tout ce qui passe, pas. C'est pas à ton tour. Non, j'attends qu'il finisse. Pardon, je suis un peu lent. Donc, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça sert à rien, Il est mort, il est mort. Arrête-le, tu décapites, ok, très bien. Okay, c'est ça. Quand tu. Hop là, allez, next. Ça fait un bruit de Pepsi. Donc, il en reste plus que 8. Le deuxième 15. Okay. Je conseille d'en tuer un maximum avant que Tire. Je claque un point de rage, est-ce que je peux faucher? Alors, soit tu peux faire deux actions en une, tu peux taper deux personnes en même temps, c'est-à-dire que tu divises ton groupe de dés, tu veux faire deux attaques. T'as combien en attaque? Dextérité plus bagarre. J'ai 6. 6, donc c'est-à-dire que tu lances 3 dés. Oui, tu lances 3 dés. Par cible. Pour 2. Tu lances 3 dés pour les deux cibles en fait. Moi je te conseille de toucher les deux avec 3 dés en gros. Moi je te dirais de te focus sur un mais de le tuer. Ouais. Bon bah je craque un point de rage. Oui parce qu'il faut le tuer. Voilà, c'est pour attaquer deux fois et t'en tuer deux. Difficulté. Donc vas-y, lance, fais les liens. C'est ouais. Alors j'en ai 3. Ok. 3. Ok, donc maintenant fais les dégâts. Et oublie pas si t'as pris des dégâts des malus hein. Ouais. Alors attends. Donc c'est force. C'est ça. Ah mais j'ai même lancé un dé. On va voir si c'est autant du. Ah ça y est, je vais. Bah c'est sur le Giro. 6 plus 3. Là j'ai 6 en force par exemple, plus 3. Ok. Digo. Plus 2 parce que c'est les griffes. Ouais. Et c'est bon. Allez go. Mais c'est les specs qu'ils ont attaqué. Non, ils courent. Parce que ils sont arrivés un tour avant vous. Pas terrible. Hein. Le temps qu'ils se matérialisent. Oh, quand même. J'en ai 4. Ah, mais en tout cas, c'est très glorieux d'avoir foncé. 4. 4. Ah, donc t'as un estropie 1. Donc il en reste 8 et demi. Enfin, 7 et demi. Ok. C'est genre. En gros, genre tu le.
tu lui arraches quelques côtes, quoi. Il apprécie pas vraiment, quoi. Il s'est pris 4 dégâts d'un coup en aggravé, donc non, il a pas vraiment. Ah oui. Oh, il fait des dégâts aggravés, ou. Non, eux, ils peuvent pas. Est-ce qu'ils gardent le moral là? Non, parce qu'ils vont peut-être fuir. Ouais, ils vont pas fuir un moment là. En fait, c'est des fomories, donc en fait, il y a des esprits qui sont à l'intérieur. Ah, d'accord. Avant de mourir, eux, ils ont lu. Et après, ils se barrent, mais c'est ça qui est le problème avec les fomories. C'est ça qui est horrible. C'est ils utilisent des pantins. En fait, ils utilisent des pantins. Ok, next, donc c'est 14. Vas-y. Je vais dépenser un point de rage. Ok, pour attaquer deux fois. Vas-y, tape. Et go, on l'espère. Il fait une fois, donc j'attaque. C'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, là, j'attaque. Bon, on va dépenser plusieurs, d'ailleurs, des points de rage. Ah ouais, pour faire genre 4. Oui, bah, en fait, non, tu peux. Pas plus de la moitié de points de rage que t'as. Ah, d'accord, bah, du coup, j'en ai 2. 3. Ouais, vas-y, on se fait vite. Donc là, c'est rappelle-moi de dextérité plus. Bagarre, dis donc. Oh, c'est bon! Pas comme si t'avais 6 heures pour jouer. Comme ça. Putain, on a fait un paquet, toi. Oui, mais c'est bon. 1, 2, 3, allez, 3! Eh ben vas-y, dégâts, plus 2 plus 3! Alors attends, parce que du coup j'enlève 1. Force plus 2 plus 3. J'enlève 1. Si je dépense 2 points de rage. Force en créneau, c'est à l'heure. Donc 7, mais là du coup, j'en enlève 1 parce que je suis blessé. Et du coup, ça fait 6 et j'enlève 3, ça fait 9. Non, tu devais en avoir 12, donc t'en mets 11. 10 mecs qui vont nous tirer dessus à la calage. En fait, là, le problème, c'est que t'as fait 7 plus 2 parce que c'est des griffures, ça fait 9. Plus 3 parce que t'as 3 dés qui ont été validés. D'accord. Moins 1 parce que t'es blessé. D'accord. T'as 11 dés. Donc là, 11, on y va. En fait, c'est sympa, tu les fais pas tous tirer. Oh, t'as des 1. Bah, non, en fait, c'est putain, il y a un mec qui tire sur lui. Attends, c'est Bill, il se peut qu'il meure. 2, 3, 4, 5. 5 moins 2. Donc 5 moins 2, déjà, ça fait. 5 moins 3. Il y a 3. 5 moins 3, donc ça fait 2. Ah merde. Mais j'ai 3 relances. Vas-y. Allez, c'est maintenant qu'il faut briller. 3. 3. 3, donc il y en a. Bah, en gros, il y en a 7, donc ça retire le 7 ennemi, quoi. Donc, ça fait 2 estropiés, donc 2 estropiés égale 1 mort. Enfin, je vais finir. 2 estropiés, ça marche comme ça dans la vie. 12. J'ai lu là-bas. C'est moi. Donc, du coup, bah, je vais essayer de recramer quelqu'un. Ce sera pas mal. Vas-y, essaye de faire des dégâts. Tu mets des coups de papate aussi, hein, t'as un crâne aussi. N'hésite pas. Hein. Ouais, mais les c'est... Les crânes, vas-y, brûle. En tout cas, le capitaine est en déroute, hein, c'est 6, bon, j'ai une fait, réussite. Guerre, il a un dé, donc, ok, donc tu brûles un mec. Je brûle un mec. Il a un gars, un dégât aggravé, quoi. Ah, ouais, bah c'est sympa. Très bien, ok, d'accord. Mais le gars, il crame, quoi. C'est à moi. Ok. Ouais, il est... Mais en fait, du coup, il dit bien sur la règle que le feu continue tant qu'il y a du combustible. Ouais, donc il va se barrer, quoi. Alerte au gogom. Après, vous êtes en pleine tout droit, enfin, en pleine... Alerte au gogom, les enfants. Est-ce que le fait que le feu, ça aille sur les armes et tout ça, en moto, parce que, en fait, quand ils disent... c'est combien que je fais? 30 décimètres carrés. C'est quand même, enfin, 30 décimètres cubes, c'est quand même pas dégueulasse. Est-ce que ça va être là que ça explose les balles? C'est pas ça, c'est qu'il va pas, il va genre limite lâcher les trucs qui brûlent, quoi. Donc il va pas faire passer son tour à tirer, quoi. Il va essayer de se barrer. C'est pratique, c'est ça. En fait, on est passé à 6, quoi. Parce que... Le feu, c'est bien. Je dépense 2 points de rage. Et t'as combien en rage en tout? J'ai 4, donc je peux en dépenser 2. Ouais. Donc j'ai un tour là et 2 actions à la fin. Vas-y. Et bah, premier, je vous mets un cri fort. Donc ça, c'est 11. Et après, ce sera à mes soldats. 11 dés, c'est ça? Non, ah non, t'as 11 en initiative. Ah oui, d'accord. Dextérité, donc. En créneau. 6. Plus bagarre. 3, 9 dés. Allez, le bon jet, c'est maintenant. Ah! Si. 2, 3, 4. 3, 4. Donc moins 1, j'enlève celui-là, donc 3. 3, une relance. 4. Ok, donc dégâts, force plus 2, plus 4. Force donc 7 plus 2 plus 4 plus 2 fait 13. Par contre, pense à enlever 4 tes, moins 1 dégâts. Moins 1, ok. Hein? Pense à enlever tes dégâts. C'est ça, moins 1, moins 1. Moins 1. Ouais, c'est fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et t'as 3 relances. 3, il est mort. 7 et il est mort sur le coup, il a 3 relances. Je l'ai arraché la tête. Ok. J'ai arraché 5. Donc, sur tout le monde est à peu près en voisin. Le théurge, en fait, il est resté au niveau de la caverne en train d'enflammer tout le monde. Genre. Oui. Non pas par manque de gloire, hein, c'est juste que. Non, c'est voilà, ça, c'est une intégrité. C'est-à-dire que. En fait, bah, tout le monde va se prendre une attaque. En plus de. Enfin, 1-1-1-1 et 1 pour. Pour Bill. Et là, ça donc tu jettes tous les dés, on prend tous un trophée, c'est ça que t'as dit? Non, c'est, je vais faire des dégâts pour tout le monde et on va voir si vous survivez. Oh là 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 là, c'est chaud. Alors moi je prends 4 dégâts gravés, je meurs. Pareil. Non. Mais attends, les ours. Non, après, de la rage les ours de Bill là, ils sont pas arrivés sur les dégâts déjà? Non, sauf que les dégâts gravés c'est différent.
Oui. Mais du coup, les ours de Bill, ils sont. Bah, au prochain tour, ils arrivent sur. Au prochain tour, ils dégomment tout le monde. Bon, en fait, au prochain tour. Si on survit là, on a gagné. Voilà, c'est ça. Si vous survivez là, vous avez gagné. Prochain tour, il y a tous les guerriers fantômes qui dégomment tout le monde. Et peut-être qu'ils dégomment aussi les choses qui sont pas visibles et qui sont peut-être sûrement dans l'Umbra en train de vous attaquer bientôt, quoi. Ah oui. Parce que oui, bien sûr. Parce que oui, bien sûr. Donc, on est sur les 3. On va commencer par. Allez, tue-moi! Ouais, on va commencer par. Le mec, je meurs dans l'honneur, moi! Vas-y, mais tire, mon sang! Tout en grognant. Ça touche. J'ai peur de rien, moi, j'ai de l'honneur, moi. Deux. Je fais les dégâts. Allez, allez, l'honneur, moi. Je pas bon, fond, je meurs pour Gaïa. Ouais, mais on a un destin. Ouais, bah là, si je meurs, on en a plus, quoi. Ah non, on peut utiliser le destin si je meurs. Attends, je regarde ce qui se passe si vous. Il a dit, ouais, ouais, on va voir, ok, ouais, ouais. C'est moi qui fais. Merci. Tu prends. 1, 2, 3. 3. Tu prends 3. Bill. Bill. En plus, c'était le décès. Non, Bill. Bill. Tout Bill. Next. Donc je suis infirme, hein. Ouais, t'es infirme. Oui. Ok, moi j'ai peur. Enfin, les moins 5, ça fait mal. Il faut me tuer quand je suis infirme. Parce que j'arrive à toucher déjà. Toi, tu vas avoir des cicatrices de partout. Oui, parce que ça touche de. Non, c'est invalide les cicatrices. Ah, t'es pas invalide? Non, je suis infirme. C'est ça, le 10 et le 2, ça fait 1. Ça fait 1 du tout. Pas 4. C'est pour toi là? Non, il y a un. Oui, il y a un, mais on va voir ce qui va se passer avec les reverses. Donc là, t'as combien ça se joue là? Ça se joue là. Et là, il y a un annulé là-bas. Mais qui t'en prend 1 du coup? Ouais, le 9 là. Ouais, il y a le 9. Et il y a eu un 6. En fait, il y a eu 2 10 et un 1 et un 9. Non, parce que là, t'avais un 6. Ça fait 3. Ça fait 3. Lui, il a annulé là, t'as fait 2 relances. De toute façon, ça fait 5. Ça fait 3. Ça fait 3 du coup. Ça fait 3. Pareil, c'était pas juste. Putain, c'est bon. Ce n'est bien sorti en fait tout à l'heure. C'est bon, on est en infirmité tous les deux. C'est à qui là? C'est à moi. Ouais. T'as combien encore de points de vie toi? Il m'attaque pas. Moi j'étais que à 2, donc. T'en as encore 5, je pense que ça devrait passer. Ça peut arriver, hein. Oh, oh. Tout peut arriver. Oh non, oh, ça me touche. Si ça touche. Oh putain. C'est vrai que peut-être t'aurais pu réutiliser ton sort pour te faire enrayer les armes. Mais bon, on préfère risquer de mourir, quoi. C'est quand même mieux comme ça. On aurait pu faire ça, mais ça donne de la gloire au moins. Ouais, mais là, niveau gloire, là, tu l'es. Le champion de Gaïa, mais un peu con. Ouais, mais là, on va être glorieux de ouf. Et on est tout le temps dans la. Là, n'empêche pas l'autre. On va encore avoir des. Les dégâts, t'es prêt? T'inquiète pas, vache. Les loups-garous, il y a un handicapé. Oh, zéro. Non, tu vas en avoir des gars. Ouais, c'est vrai. Ça ricoche sur ma poitrine. Sur les jets quelques mois de fer. On l'appellera tété d'argent. J'ai 1000 de gloire. Moi, il me reste 6. T'es bien, toi. Il te reste 6. Ouais. On va en faire descendre tout ça. Ok, ça touche. Oh, c'était pas loin, hein, c'était pas loin. On est les attardés de Gaïa. Les attardés de Gaïa. Ceux qui sont attardés. Allez. Comment tu t'appelles? Je suis fini à la pisse. J'ai peur. Ouh, y'a dur. Il y a du. Il pousse un peu quand même. Tu prends 3. Ça va. On va vous appeler les gars d'argent. Les balles fusent dans notre thorax. Et alors par contre, Bill, il avait pris 4 déjà, je crois. Ouais. Ah non, faut pas tuer Bill. Ah, je suis en blessure de base. Ah, c'est Bill. On va voir si Bill survit. J'ai moins 5 dés à chacun de mes jets, donc là ça va commencer à prendre. On va voir si Bill survit. Il a sa touche déjà. Oh. Allez Bill. Oh putain, donc, attends, il a que 4 donc il fait 3 blessures. Hein. Et pas plus. Non. Si. Et oui, bah si, ah, ça dépend combien il a de Bill. Et toi, t'as rien. Et toi, t'as 7 cartes. Oh d'accord. Tu peux pas te mettre en train. Bah non, mais c'est de l'argent. Oui, c'est vrai, j'ai pris. Bah non, c'est une action de faire ça. Ok, c'est parti. Ça a été héroïque. Faut faire moins de 3. Si Bill meurt, c'est moche. Bill, j'attends, il va mourir. Il peut mourir, ouais. Ah, il peut mourir. Il peut mourir. Putain. Si t'as fait disparaître les. Putain, heureusement qu'on a fait la veillée pour les deux autres. 3, 4, 5. Bon, il est mort. Mais non, faut retirer. Non, non. Mais pourquoi? Il a de la vigueur. Bien sûr. Il a de la vigueur. Quand t'arrives à ça, l'aggraver, l'argent, ça se retire pas. Non, mais là, c'était les dégâts, donc là, il est mort. Ok. Votre corps, chacun, est lourd. Sauf pour les poignes. Bon, ça va. Du métal, de l'argent qui endommage vos plaies, en fait, qui infecte vos plaies. Vous êtes
fatigués. Certains sont aux portes de la mort. Qui a un handicap, hein. Enfin, c'est terrible. Genre, et vous, vous avez les mains maculées de sang. Jusqu'au coude. Vous avez arraché des tripes. Enfin, vous avez découpé des têtes. Vous êtes... ça y est. Vous êtes mis dans... genre... D'un coup, le silence s'abat dans la carrière. Autour de vous, les guerriers, fantômes, vous regardent. Certains grognent, d'autres font des prières à Gaïa. Et lentement, ils se retournent tous vers le vieil ours qui est genre droit. Il a des impacts de balles partout. Et vous voyez qu'il a la frénésie dans ses yeux, il a le sang de son cœur ancien. Il a vu des choses que vous n'avez... Enfin, vous êtes si jeune, mais lui était là depuis tellement longtemps. Il est là, il est droit comme un i, et tous les soldats en fait fantomatiques se retournent vers lui et abaissent leur tête. Chose extrêmement rare pour que des garous s'abaissent autant face à un ours. Mais avant que les fantômes disparaissent, ils se retournent vers vous et vous donnent le même regard de respect et disparaissent dans le vent. Au même moment, Bill tombe sur ses genoux et tombe face contre terre. Et vous n'êtes plus que 5 dans la carrière. Un silence de mort. Je crois que c'est le moment de lancer un petit cri. On peut aller checker qu'il soit vraiment, vraiment mort, déjà, avant de l'enterrer et qu'on soit pas sûr. Bah, les plus en forme d'entre vous. Parce que. Bah, c'est toi, vérifié, du clairement, coup. C'est toi. Ouais, et techniquement, qui est handicap? Absolument. Ok, tous les deux? Ouais. Tous les deux, votre corps est ravagé d'un pack de balles argentées. Vous êtes en crinos, mais limite genre vous avez un œil qui pend, vous avez genre une mâchoire. Vous êtes handicapé, hein. Là vous êtes à moins 6 quoi. Vous les avancez lentement, vous êtes en train de ramper dans vos viscères quoi. Et ça commence à se régénérer, mais genre très lentement, il va falloir une bonne semaine pour régénérer tout ça, pour retirer tout l'argent que vous avez dans le corps. C'est, vous avez risqué la mort, mais genre à un fil quoi. Tous les deux là, c'est terrible. Moi, compteur de voix. Moi, je regarde. Toi, tu vois en fait, genre, tu vois l'ours qui tombe et tu t'avances vers lui, mais genre, tu tombes sur ton tibia brisé, tu t'avances de plus en plus, quoi. Et vous deux, vous êtes d'accord. Et toi, en fait, t'es intact. Moi, je suis blessure légère. Ok, bah, tu peux avancer facilement. Et toi? Blessure grave. Toi, tu douilles un peu aussi. J'ai les doigts. Voilà, c'est ça. Genre, vous trois, vous êtes des abominations. Vous êtes. Et moi, je la regarde. Déjà pas mal. Toi, et je la regarde eux, genre. Je vais vers lui, je regarde. Okay. Ah putain, c'est vrai qu'il y a aussi. Okay. Je le retourne, je regarde s'il réagit sur. Tu vois, tu le retournes, et quand tu le repousses, quand tu le retournes, en fait, il expire avec un sourire. Tu vois que d'un coup. Il prend la forme d'un ours. Ok, il est bien mordu. Il a pris sa forme finale. Chose que toi, tu ne feras jamais en tant que métis. Sauf si on te donne le rituel suffisant. Donc il va. Ok. Sa corne brisée dans l'air. Récupère. Habile. 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 Non. Habile. Habile. Allez. Bah je chante très bien pour lui, mais je crois que mes viscères dans la neige vont dépêcher. Je pense que ouais, vous allez rapatrier son corps et faire les rites nécessaires. Bien sûr. Et quand la nuit, après quelques jours de repos, que vous pouvez enfin vous déplacer correctement et chanter le rite du défunt. À la lune, une lune sombre, vous voyez dans le ciel. Déjà, vous chantez la gloire de
de Bill. Ouais, complètement. Qu'est-ce que vous lui annoncez? Est-ce que chacun fait une petite phrase pour Bill? Imagine, t'es devant le corps de Bill. Ouais. Et genre, vous êtes dans un. Et genre, il y a peut-être un grand feu et vous brûlez son corps, je sais pas, on fait ce que vous voulez. Toi, celui qui accueille les égarés, je pense que c'était un peu notre situation. Quand on le cherchait, on était perdu dans le blizzard. Il nous a ouvert sa porte et. Je sais pas si ça s'appelle le paradis pour les garous, mais ça c'est un réflexe humain. Je pense que voilà, les portes du paradis lui sont grandes ouvertes. Celui qui a une idée après, allez-y. Merci à toi, Bill, pour la confiance que tu nous as accordée. Ta foi en nous alimentera la force de notre meute. Et du coup, merci à toi, Bill, d'avoir fait le plus grand sacrifice pour nous, du début à la fin, quoi. Tu étais notre seule aide et on ne pourra jamais te remercier assez maintenant. Merci à toi, Bill, d'avoir su remplir nos ventres, remplir nos âmes et poursuivre nos vies. Ce n'est qu'un au revoir, Bill. On se verra bientôt de l'autre côté. Ok. Et vous hurlez à l'unisson le rituel initié par le théurge. Et quand vous terminez votre hurlement, vous entendez un cri qui vous répond. Un cri qui vous répond de l'Umbra. Et vous voyez quelque chose qui éclaire les bois aux alentours. Une silhouette, un ours fantomatique qui s'approche et qui, si vous le souhaitez, sera le totem de votre meute. Oui. Ah oui. Bah clairement. Totalement. Et bah Bill sera avec vous pour toujours là. Oh. Wouh. Il est retourné. Dans totem de meute, on met Bill. Ouais, en fait c'est un don, et donc il y a Bill en fait qui sera, vous avez des bonus avec le totem de l'ours. Et on peut converser avec lui et tout? Oui bien sûr, et il vous aidera en fait dans l'aventure, enfin vous conversez. Il sera surtout là, techniquement enfin, en termes de jeu, il sera là autour de vous, c'est votre totem, c'est genre vous êtes la meute de l'ours quoi. D'accord. Et en même temps, il a des, en tant qu'ours il a des stats, il va vous donner des bonus de je vous le dis maintenant comme ça vous fait. Alors, je crois que c'est un totem de guerre, il me semble. Ou un totem de sagesse. Ah, je sais pas. Guerre. Ours. Ah, bah, c'est un totem de la guerre. D'accord. Donc, voilà, vous êtes plus propice pour faire de la guerre maintenant. Ah, ça marche. Okay. Grand ours fait preuve de sagesse en temps de paix et de férocité en temps de guerre. Maître en guérison et en mysticisme. Oh. Il n'a guère de confiance. Il n'a guère la confiance des garous, car sa véritable enfance sont les gourales. Des ours garous qui ne portent pas des lancres dans leur cœur. Bonus individuel. Les enfants d'ours gagnent un point de force et peuvent utiliser le don toucher de mer une fois par jour. Donc vous pouvez vous soigner. Ah, on a du heal du coup, c'est bien ça. De plus, ils peuvent hiberner jusqu'à 3 mois sans avoir besoin de boire ni manger. Les garous perdent 5 points d'honneur temporaire et réduisent toute la récompense en honneur. Ah oui, vous pouvez hiberner pendant 3 mois si vous voulez. Mais on perd l'honneur. Voilà, mais vous pouvez. Techniquement, vous pouvez dire bon, bah, on dort pendant 3 mois. Putain, c'est. Et bonus de meute. Donc les meutes affiliées à l'ours peuvent bénéficier de 3 points en médecine. Les ours garous sont bien disposés envers elles. Donc les ours garous sont amis avec vous. Interdit. Ours n'exige rien de particulier des lycanthropes. Le simple fait de demander des faveurs leur a souvent coûté vis-à-vis de leur propre peuple. Donc ils vous empêchent de faire absolument rien. Il y a certains totems qui vous disent ne faites pas ça si vous voulez avoir mes bonus. Sinon je m'égalise. Ah, on a plus tombé sur le bonus sur avec en force. Toucher de la mer c'est super cool en plus. Hein. Une fois par jour, ça permet de soigner des choses assez ouf quoi. D'accord. Une fois par jour chacun ou pour tout le monde? Les enfants ils peuvent utiliser le don toucher de mer une fois par jour. Je peux regarder très rapidement, je sais où c'est à peu près. Non. Est-ce que tu veux qu'on note tous tout de suite ou... Non, je vous ferai une feuille de totem de la meute. Une feuille de totem, d'accord. Bon, bah il nous quitte pas vraiment. Toucher de la mer, ça va, c'est un des. Il y a quand même son existence qui s'est terminée d'une certaine manière. Vous avez perdu un mentor extrêmement puissant, mais vous avez gagné un totem. On a attendu quelques jours. Un guide, quoi, il est toujours. Je crois qu'on a attendu plusieurs jours là. Oui, c'est 2-3 jours, donc. De toute façon, la prochaine fois, on jouera. Ah, quoique non, on jouera juste après, donc retirez 3 points gravés. Parce que vous avez attendu 3 jours. Histoire que les gens soient présentables pour. Et la suite.
pour la requiem de Bill, quoi. Ça aurait été un peu chelou. T'as une blessure en moyenne. Sachant qu'il faut qu'on récupère du cadavre de vampire là pour le présenter au niveau. Vampire a fui. Non, mais ceux qu'on a massacrés. Les faux mourir. Pas des vampires. C'est pas des. Non, 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 les danseurs de la spirale noire, ils meurent pas aussi facilement. Du coup, on ramène les cadavres chez les Wendigo, on leur dit de sentir le fel qu'il y a dedans. Du coup, vous préparez votre plan un peu plus confiant et vous avez en fait l'esprit de Bill qui vous conforte. Sur ce, messieurs, dodo. C'est la fin de notre week-end, lui à haut. Dodo. Bonne nuit. 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 On fait la renommée ou pas? Bonne nuit. Ah, et on gagnera des points après. C'est ça. D'accord. Allez, à toutes. Bisous. Ciao. Merci d'avoir suivi la vidéo. Oui. Salut. Okay.